Et salut YouTube, on est parti pour le troisième combat de SeaWorld. Je suis en Sadie, d'un premier combat avec mon Sadie sur SeaWorld. Je suis en Sadie et nu et Kaflip et je suis contre une très grosse équipe. Je suis contre Celestia, donc je vais beaucoup me concentrer. C'est une très très grosse équipe. Ils sont largement favoris. Il m'a dit le GHF, je suis en Sadie et nu. Et Kaf, je suis parti en full lean, c'est-à-dire que je n'ai pas pris de soins malgré ma compo où je pourrais tout à fait en avoir parce que je suis contre beaucoup d'érosion. Ok, c'est un Yop R mêlé. Un steamer du coup foreuse. Il m'a pas l'air endofusteuse. Potentiellement terre, mais je suis pas certain. Quoi qu'il arrive, probablement multi. Et un panda qui m'a l'air d'être feu. J'ai pas de zone tréant directement, donc on va simplement poser le jeu du Sadida. Hop. Il y a de l'esquive PM qui est ok, mais qui est pas dramatique. On va reculer directement. On va reculer directement, on va cacher également la surpuissante. Ok. L'esquive PM est ok en vrai. Hein. Leur esquive PM est ok. Le Yop en a pas mal. Il est en Muldo, esquive PM, plus quelque chose d'autre. Je saurais pas dire quoi, je connais pas assez les stuffs. Mais les autres, c'est acceptable, hein. 56 et 70, pour vous donner une idée, j'ai 145 de retrait. Je suis bien, hein. Je suis bien là-dessus. Et l'idée, c'est qu'en gros, j'ai une compo, j'ai deux classes qui sont pas, enfin, sur lesquelles je suis parti sur des modes très bourrins. Pour essayer d'un peu les allumer s'ils essayent d'avancer en me disant qu'ils vont forcément essayer de me bourrer la gueule. Ok, ça booste directement le steamer. Alors, on va pas poser la musette tout de suite, hein, ça sert à rien. Ceci dit, je vais quand même poser mon coffre. Je vais mettre la maîtrise. Putain, merde, elle est pas dans le... Pas dans la barre des... Ah bah c'est la maladresse, yes, super nice. Encore que c'est pas si grave en réalité. Touk tic touk tac tac. En vrai, je pense que je peux essayer de cacher de la Diago avec des kawats. J'essaie de me cacher pour l'instant. Et de cacher un max de lignes de vue. Hop. Le plan étant bien sûr de poser le jeu du Sadi. Alors comment est-ce que ça va se passer avec Stekaflip? Stekaflip terre d'opou, je vais pas pouvoir faire grand chose de loin pour l'instant. J'aurai des lapements potentiellement, qui d'ailleurs retire des PM, hein, donc toujours intéressant. Alors après en termes de retrait PM, en termes de stats, hein, je suis à 48, ce qui est pas incroyable. Étant donné que je suis avec un Sadi et qu'ils ont de l'esquive, mais c'est à peu près acceptable. Ça joue qu'à ça joue Brancard, ouais, ça va commencer directement à avancer. Brancard éviction, il va porter son tonneau. Ouais, c'est un panda feu hein, avec ce bouclier-là, je pense. Quoique, il est en 11 PA. Ça voudrait dire qu'il joue pas remur avec le truc classique. Il est peut-être en... Non, il est pas en full guerre. Je vais modo. Est-ce que je dois les autres? Non, je vais juste dos les K. Je maîtrise dans le doute. Je vais mettre l'arc et je vais mettre un petit chacha. Petit chaton, tac. Est-ce que j'avance un peu avec les cas? Ouais, parce que même si le Yop joue R et qu'il peut prendre des zones potentiellement, le Sadida joue avant, donc en soi il n'y aura pas des si grandes lignes que ça. Ça reste une zone de 2, mais il reste loin quand même ce Yop. Il est en bouclier Isael, donc je me dis que ça devrait être ok. Il n'est pas sur un 4 feuilles, quelque chose comme ça, ou sur un Stalak. Steamer qui va terminer son évolution, qui va probablement essayer de se rapprocher. Voilà, avec une bâtisse caf. Avec une bâtisse caf, il va essayer de me déborder pour pas que je puisse m'enfuir. Après, j'ai déjà deux arbres. Ok, ça va choper directement la Diago sur la surpuissante. Très très bien vu de sa part. Attends, mais il est en. Pour avoir cette PO là, il est en cap de classe lui. Enfin, c'est la cap ou c'est. Je sais plus quel item de classe c'est sur le steamer pour taper d'aussi loin, mais il me semble qu'il a un item de classe. Ce serait à confirmer. Je vais reposer un arbre. Je vais poser un arbre pour infecter en réalité. Hein. La folle elle va se split du reste, mais je vais aller infecter directement. Et je pense que je vais me décaler par ici. Ça donne pas des lignes de vue si free que ça. Ah si, parce qu'il pourrait passer par là. Bon, de toute façon, on va mettre l'entrave.
Et est-ce que je donne l'arbre directement au Yop? Non, j'ai pas trop envie. Hein. Certes, ça pourrait l'emmerder un peu, mais... Au final, on veut surtout save des arbres, je pense. On va directement se cacher. Je voulais pas m'avancer par ici pour aller chercher directement une ligne de vue sur le... D'ailleurs, j'aurais pas eu la ligne de vue en venant ici, je suis bête. J'ai hésité à venir là, mais je me suis dit qu'il fallait pas le faire pour pas donner le kill au steamer, mais Water, je ne pouvais pas. Ok, il va quand même courir sur l'arbre, j'ai l'impression. Se faire une zone anneau destructeur. Et ensuite, il fait le kill comment? Il va vouloir clear mes arbres, hein, de toute façon, on l'a vu. Les Nutrophes. Ok, il va directement se barrer. Il a pris le temps de tuer un arbre, il se barre après. Alright. Tout petit, tout tac, tac, je peux... Ouais, je sais ce que je fais, tac. Tac, tac. On va mettre directement la musette. On va mettre directement la musette. Et cette pelle, je vais... Pas forcément vouloir la donner non plus, hein. Je pense pour l'instant, je vais juste boucher la ligne de vue du steamer avec mes invoques. Malheureusement, la musette, elle a pas de bon endroit pour se cacher. Donc, on va essayer de faire un peu au mieux, mais bon. Pas trop réfléchi à ça, malheureusement. Petite erreur de ma part. Quelque chose à corriger. Est-ce que le panda va prendre le risque de s'avancer? Je suis pas sûr, hein. Il va clear l'arbre. Lait de bambou pour s'enlever le l'état infecté. Il va dégager la ligne de vue pour le steamer, c'est bien vu. Je suis en retour au dos là-dessus. Je peux essayer d'avancer un peu. Peut-être aller chercher une diagolapement là-dessus. On va aller chercher une diagolapement. Et à mon avis, essayer peut-être de poser une kawatt pour cover un peu le sadi du steamer. Certes, c'est l'Eka qui est du coup un peu en danger, mais je pense que c'est assez ok en réalité. À voir ce qu'il va proposer. Bon, il va partir sur sur l'Eka Flip, faut qu'il avance de 1 de plus. Après, il va peut-être juste buter la folle et ensuite bourrer l'Eka. Il peut double. Enfin, double. Comment s'appelle ce spell de mort là? Embuscade? Embuscade la folle, embuscade l'Eka Flip, ça me paraît cohérent. Hein. Il se décale de 1, ça veut dire qu'il va probablement pas payer le. Est-ce qu'il va payer un foin du coup? Ah non, il joue sonar, ok. Ok, il va tuer la folle au final. Mais j'avais pas fait gaffe tout à l'heure, c'était pas une embuscade que j'avais pris tout à l'heure, ok, my bad. My bad, ok, faut que je fasse gaffe, je m'attendais tellement à en prendre une. Je vais poser des arbres dans le front. Pour rappel, je suis pas en... Comment ça s'appelle? Attendez, tac tac tac... On va payer la paysante et la broussaille. Je suis pas en Domakuro, hein, pour rappel. Alors par contre, je donne une sale yop, une sale zone au yop. Après, il est en 11-4, en réalité, c'est pas si grave, parce qu'il doit bon pour venir. Et s'il vient derrière, je lui pète la gueule, je pense. Donc c'est ok. Seul problème, c'est plus pour le panda. Après, le panda a pas tant de PM que ça, du coup, avec la paysante. La paysante qui est pas trop mal passée. Ok, ça va venir chercher... Oh, c'est très bien vu. C'est très bien vu. Il rapproche le... Il rapproche le l'Eka Flip et il lui a mis la friction. Et il commence à l'éroder un petit peu. Attention à ça. Tout petit, tout tac, tac. Je pense que je vais aller chercher directement le panda, non? Pas avec abattement, mais avec... Toujours pas. Tac, ça va le repousser. On peut pas lui mettre la monnaie, mais... On va essayer de lui mettre des abattements pour faire un peu de retrait PA.
Celle et on se barre. Celle et on se barre, on se barre, on se barre. La bêche, elle va pas pouvoir faire grand chose en réalité. Donc je vais juste la mettre sur le chemin du panda. Encore que j'aurais pu la mettre ici, ça aurait été mieux. Non, parce que ça aurait potentiellement pu gêner quelqu'un. Tout le monde est full vie. Enfin, de toute façon, la musette. Je croyais que je jouais le chaton, je suis full bourré. Qu'est-ce qu'il fait le panda? Est-ce qu'il va venir clear cette bêche? Il va faire quoi? Il va se faire montation. Est-ce qu'il va se dans le cul ou pas? Ça m'étonnerait quand même. Non, voilà. Il va juste essayer de bourrer la bêche. Est-ce que mon Eka, il a un tour correct? En vrai, je peux venir ici. Attendez, ici, esprit félin. Ça me ramène le steamer. Et je le bourre, non? Ah, il joue juste après, mais... Tac. Double destin, non? Lui lâche un double destin. Il n'y a qu'un seul crit sur les deux, mais... Mais je pense que c'est pas mal. On commence un peu à bourrer. Il n'y a pas de porte-je-lave sur ce steamer. Pas de forge lave sur ce steamer. Alors certes, c'est du multifocus, mais... En plus, je ramène un peu le steamer qui va avoir du mal à se cacher pour pas être infecté après. Alors après, avec la friction... Avec la friction, l'écaille va partir loin, là. Oh, j'aime pas du tout ça. J'aime pas du tout ça. Il a... Oh, très belle récursivité. Très très belle récursivité. Il ramène les cas flip très très loin dans son camp. J'aime pas du tout ça. J'ai pas d'invocation pour faire... Si, j'ai potentiellement la batiscave pour faire un relais sur l'état infecté. Mais encore une fois, le yop le perd pas, c'est ok. Tac, si je mets un arbre ici, il peut venir effectivement infecter... infecter le steamer. Donc faut que je mette en fin de tour, du coup... Non, faut que je mette maintenant. Tac, tac... Bon, pas eu le temps de mettre ma... Comment ça s'appelle? Mon vent empoisonné, pardon. Pas eu le temps de mettre mon vent empoisonné, mais... Pour tuer ma sacrifié pour gagner une invoque, mais bon, c'est pas dramatique. Par contre, ce qui est dramatique, c'est vraiment c'est Caplip qui va se faire péter la gueule, le modèle géant, là. Après, quoique, j'ai la musette, quand même. Bon, il y a l'ébène qui est posée, il se fait beaucoup éroder. J'ai un peu peur, parce que cette musette, elle va pas durer un temps infini non plus. Ouais, c'est ça, il me semble qu'elle tombe là ce tour. J'ai plus l'Axel. Est-ce que je pars libérer le Sadi pour avancer? Est-ce que j'ai une Diago? Est-ce que j'ai moyen de m'avancer pour choper une ligne corrupte? Je peux aller corrupt le Yop. Hop. J'aurais dû faire ça avant, mais tant pis. On va quand même lui retirer des PA, tant pis. J'aurais dû faire ça avant, j'ai été bête. Mais ça arrive d'être bête, c'est pas pour autant que je dois pas le faire et que je dois spécifiquement moins bien jouer exprès après. Ok, Steamer qui se fait stable pour éviter les dopous. Et lui qui est invulnérable. Potentiellement, c'est un turn panda sur ce tour. D'autant que le panda, c'est le seul qui peut heal, donc... Dans l'idéal, c'est lui que j'ai envie de focus, hein, de toute façon, mais... Sur quoi je pars? J'ai toujours l'entrechat. En vrai, l'attaque, c'est sûrement quelque chose comme ça. Entrechat. Je pourrais pas me barrer si loin que ça, donc il va falloir que je pense au contre-coup. Petit crit peut-être? Ok, un crit. Contre-coup. Je me décale et je percepte. J'essaie de revenir un peu. Il est un peu chaud mon Eka, mais bon. Là j'aurais pas la ligne de vue, on va juste avancer. Ok, mon Eka il a chaud, mais bon, il est encore vivant.
J'ai une belle héros. Enfin, j'ai un beau. Enfin, j'ai un beau. Comment ça s'appelle? Un beau relais avec la bâtisse CAF ici, mais malheureusement, le panda, lui, il va perdre le. L'état infecté. Continue de ramener les caflips, hein. Il continue de ramener les caflips et c'est pas incroyable pour moi. Mais il continue de le bourrer en plus. Avec son steamer feu. Peut potentiellement. Bah déjà, faut que je remette un arbre. Va falloir que je mette une gonflable. Je vais pas avoir d'infection possible ce tour, donc ça va être probablement juste. Broussailles. Ah non, ça peut peut-être être ronce aggro pour avancer aussi. Comme ça, on gagne des PM. Les autres PM, on va les donner à l'énutrophe. Ça sera un relèvement empoisonné dans tous les cas pour gagner un arbre. L'énu à l'EPM. Lui, il est couru, donc c'est OK. Vertu sur le steamer. Ah, ça continue de virer mon écart. Hein. Ça continue de virer mon écart. Ok, de toute façon, ouais, il est full vie, il est juste full érodé. Je vais pas avoir de ligne de vue sur ce panda, ce tour. Bah, go essayer de kick PA à quelqu'un. Probablement à ce steamer en réalité. Et on avance. On lui met pas mal de dégâts. Le souci c'est que le multipocus il commence un peu à se voir. Le panda est pas au max mais il est pas érodé. Mais bon après le panda il peut pas se soigner. Et mon Eka est vraiment pas au max. Il n'y a pas la stab ceci dit donc ce tour. Mon Eka va probablement avoir un bon tour sur quelqu'un. S'il est pas mort. Je rigole, mais je rigole un peu avec mes nerfs. Ok, c'est la chance des cas qui tombe ce tour dans tous les cas. Chance des cas. Je peux libérer. Là. Derrière je Sengal Destin. Je patch check le. Comment ça s'appelle? Je patch check l'ivoire donc j'ai un peu de la chance de pas me faire niquer là-dessus. Parce que ça aurait pu être dramatique un peu. De mettre le destin dans l'ivoire, mais bon. Malheureusement, c'est un peu le souci quand t'es en solo, ça peut vite être galère pour faire ce genre de choses. Malheureusement, j'ai pas réussi à remettre d'état infecté, donc là, le steamer va le perdre ce tour. Ok. Toujours le sonar qui tape sur les cas. Je suis sous chance d'Eka, normalement, ça devrait être ok pour survivre ce tour, mais c'est le tour d'après qui. Donc mon Eka devrait rejouer normalement, je pense. Encore que c'est même pas si sûr que ça. Hein. C'est pas si sûr que ça, mais en tout cas, si. En fait, s'il tombe. Si c'est pas ce tour en fait, qui meurt c'est ok, et s'il meurt ce tour ça veut dire qu'il met vraiment tout, et je pense pas que juste le Yop là il puisse lui passer dessus et que ça suffise. Ça me surprendrait un peu. Je passe un peu ma vie à infecter mais bon. Manquer de la PO là-dessus. Hop, avec la monnaie, ça fait toujours plaisir. Des petits PA qui sont kick, ça fait toujours plaisir. On va cacher un peu cette folle quand même. On n'est pas des bêtes. Alright. Il va faire quoi ce Yop? Est-ce qu'il a les dégâts pour tuer Steka Flip sur 41% R? Ça me paraît compliqué. Ça me paraît quand même compliqué. Après, il peut précis, mais.
Après, avec l'ébène, oh, quoique il pose l'ébène et ça fera les dégâts. Alors, je sais pas si l'ébène il fait les dégâts sous chance d'éca basse ou haute. Je sais pas à quel moment du proc de la chance d'éca ça tombe. Je pense que ça proc après, et donc que je prends les dégâts doublés. Et donc que c'est la sauce. De toute façon, il booste son panda. Après, j'ai le retour de la musette. J'ai Axel Musette potentiellement. Axel Musette pour tenter de le forcer à rejouer un tour, Steka Flip. Ou alors est-ce que je fous le bourse panda et je tente un trade kill? Le panda c'est le healer, hein, donc en vrai, là je peux mettre Cupidité. Je peux lui mettre la monnaie, il est y voir combien. Ça change rien, dans tous les cas c'est double... C'est double abattement en fait. Et en plus j'ai déloqué un ivoire. On va venir le tacler. Non, sinon ça va donner des. Ça va donner des free dégâts de zone. Sinon il pouvait juste porter les nues et le jeter sur le l'Eka. On va pas faire ça. On va pas non plus lui donner d'abyssal PA. Voilà, s'il peut mettre tout son tour sur l'Eka flip. C'est le mieux qu'on puisse obtenir, je pense. Il va se fermentation. L'ébène va tuer. Donc il va pas remettre de flamish, un truc comme ça, il va taper le... Ah si, il prend le... Ok, il voulait assurer le kill, ok. Je pense que c'était probablement plus opti de taper autre chose, mais... Il a pas fait confiance à son ébène. En vrai, je pense pas qu'il ait besoin non plus de faire de grid. Et en soi, effectivement, si mon Ekaflip rejouait, il avait perdu le match, je pense. Donc s'il avait un doute sur l'interaction, il a sûrement bien fait. Ceci dit, là, j'ai de la sale force de la nature à mettre. Après, j'en ai qu'une à mettre, probablement, parce que je pourrais que choper le chalutier... Il arrive à bien, ouais, avec son sabati, il arrive à bien protéger son panda quand même. Donc je dois faire quoi? Je dois faire poison para, force de la nature. Est-ce que j'ai un autre arbre à mettre? Je suis à 4. Je vais pas vraiment point, j'ai juste... Arbre, poison para. Force de la nature. Probablement pas, hein. C'est probablement plus broussaille avec une ronce agro, non? On se dégage du chalutier. On va remettre ça sur l'Iop, on va remettre ça sur le panda. Ça reproc la monnaie, c'est toujours agréable. Ferme pas la porte, après la folle va sûrement mourir de toute façon. Case noire, comme ça s'il met des... Comment ça s'appelle ? S'il met les anneaux avec le yop, au moins, je serai... Il y aura que la folle qui les prendra. Ok, ça va vital panda. Il va venir fracture directement, essayer de roder sa Dida. Attention, hein, parce qu'on peut continuer, on va continuer de prendre des gros dégâts. De toute façon, après la monnaie est déjà mise. Ivoire combien là-dessus? Ivoire, je connais jamais le symbole. C'est là. Ivoire 2. Ok. Ce qui veut dire que je peux monnaie. Alors, est-ce qu'il est encore monnaie? Il est encore monnaie normalement. Ouais, il est encore monnaie, donc je peux. Abattement flamiche. Abattement bêche et probablement une maladame d'armes et on va se mettre au cac du yop. Guess que je donne pas de pendiculation. J'ai peut-être donné une pendiculation au panda. Ouais, le souci c'est que j'ai pas d'érosion. Hein. J'ai pas d'érosion et ce panda il va se prendre des shields en permanence par le steamer. Ça me paraît compliqué. Après j'ai toujours les dégâts de zone hein, avec l'infection. J'ai des forces de la nature qui commencent à faire mal mais bon j'ai pas de soins. Malheureusement il y a urgence. Ouais, il va tuer ma folle avec une pendiculation. Ouais, il fait mal. Hein. Il fait mal avec son tonneau. Il va venir flasque et probablement paume flamiche.
Un foudrement de Grunob, ok. Pour avoir le kill sur la sacrifiée au passage, c'est bien vu. Le steamer qui va jouer, qu'est-ce qu'il va faire avec son steamer? Son panda est loin pour venir l'aider là. Après le souci c'est qu'il a tué la gonflable et j'en ai pas tout de suite une autre. Ceci dit, avec les différentes forces de la nature, mon Sadie peut faire très très mal. Après si je fais ça, ça veut dire que je réinfecte rien du tout. J'ai toujours que 4 arbres malheureusement sur le terrain. Toujours pas de force de la nature maxée. Ah ouais mais là il a. Ouais ok, il y en a plus que 2 d'infectés. Après en soi je peux. Force de la nature là-dessus. Flamish sur l'ivoire. Force de la nature le panda. Le souci, c'est qu'il y a Lyop qui joue, qui peut jouer précis. Non, parce qu'il a déjà précis, en fait. Il est en bas précis, là, en fait. Donc, il faut que je me rapproche de l'ennemi pour me prendre la musette. Il faut que je puisse avoir la musette ce tour. Ah non, mais il est même... Si, si, c'est ça, il est en bas précis. Mais comment ça... Ah oui, il a quand même des PA avec la bâtie, je suis con. Avec le steamer. La miche, qu'est-ce qu'il va venir faire? Il va venir poser l'ébène, mais il le pose comment? Parce qu'il y a l'ivoire. Comment je mets ma musette, moi? Je mets quoi? Je mets coffre musette avec l'ennui ici. Ça, c'est relou. Ça ne l'est pas tant. Coffre musette. Pour mettre la monnaie. Est-ce que c'est Flamish? C'est sûrement Flamish. Le souci c'est que la musette est à clé, mais bon. Pour le peu de temps où ça fera quelque chose, ça sera déjà pas mal. Pour le peu que ça fera, on prend. Hein. En vrai, j'ai pas trop d'espoir de gagner ce match, mais en vrai, j'ai pas l'impression de trop mal me débrouiller. C'est une grosse équipe quand même en face. Oh ouais, il va prendre une sale zone en fait, il va ignorer un peu la mise. Après, il y a le coffre quand même qui va tanker un peu, mais bon. Il va quand même prendre une belle zone. Après, il a pas mis de... Comment ça s'appelle? Il a pas mis de... De boom explo avant, donc il peut pas reprendre deux zones après. Donc il va juste full boom explo là-dedans. Donc comment ça c'est que mon panda est plus... Ah non, c'est juste que la musette, il a explosé la musette, je suis trop con. Il s'en fout de prendre des zones. Et il va tuer mon Sadiza et ça va être GG. Hop, on va les laisser faire le kill. Oh, j'aurais dû plus dire que GG à toi, j'avais pas vu que c'était le même qui jouait tout. Le kill torpille au dopou, on l'a vu. C'est pas du BM en réalité, c'est bien joué, mais... Le kill est joli, c'est pas un kill libé, mais en vrai, franchement, le kill est joli. Un plaisir de mourir sur des petits trucs un peu créatifs comme ça, j'aime bien. Je l'ai laissé finir en vrai, j'ai pas abandonné. C'est le dernier match de la soirée, on va les laisser tranquillement. On va essayer de potentiellement de faire quelques dégâts, un petit barou d'honneur sur le panda, on a remis la monnaie le tour d'avant, il est ivoire combien? On va essayer de le faire proprement, ivoire 1, donc je peux banqueroute, flamish, double abattement, et ça sera GG là-dessus. Bon, j'ai pas été incroyable, on va pas se mentir, mais j'ai pas l'impression d'avoir été trop ridicule, et franchement, quand une équipe comme ça, c'est déjà pas si mal. C'est déjà pas si mal, ça fait plaisir, un petit match comme ça. J'ai pas trop l'habitude de jouer Kater Dopu, j'ai peut-être un peu... Je perds sûrement le match sur le fait de jouer trop aggro avec Leka qui est sous friction et qui du coup se fait ramener. C'est pas à moi de forcer le jeu comme ça. C'est pas à moi de m'avancer comme ça. Avec un Sadida, je dois laisser les choses se faire. En tout cas, GG à l'équipe de Celestia. Et YouTube, je vous retrouve très bientôt. Des bisous à vous.